Le Congo a engagé de nombreux chantiers sanitaires afin d'améliorer son système de santé publique. Ce mercredi 15 décembre, le président de la République a procédé à l'inauguration officielle de l'hôpital général de Djiri situé à Nkombo. Cet hôpital propose aux patients 13 services cliniques et paracliniques, à savoir la pédiatrie, la néonatologie, l'imagerie, radioscanner et IRM, laboratoire, y compris PCR, la pharmacie médicale, les urgences, la réanimation, la gynécologie obstétrique, le bloc opératoire, la stomatologie, l'ORL et la chirurgie. Ces services sont complétés par 5 autres services techniques d'appui nécessaires à la bonne prise en charge et au traitement des patients. L'hôpital de Djiri a prévu aussi un dispositif de lutte contre la COVID-19. Construit par la société Asper Brass, depuis 2014, cet hôpital occupe une superficie de 504 500 m². Il dispose d'une capacité de 210 lits. Il compte un bâtiment principal de 13 000 m² abritant l'ensemble des services.